T'avais bien dit hein, que ça servait à rien d'arriver si tôt. C'est pas un avion. De toute façon, regarde ce que je faisais bien. Fais toujours des reproches. Mais je te reproche rien, maman, mais c'est juste que j'avais prévu des trucs, moi. Hein. T'aurais pu prévenir que tu débarquais. Oui, ben, excuse-moi d'être toute seule pour mon anniversaire. Tu fais la tête ? Non. Vas-y, tu fais la tête. J'ai collé 2h30 de train et tu fais la tête. Pourtant, t'aimais bien les surprises quand t'étais petit. Tu te souviens quand je t'ai emmené à Peaugres pour tes 5 ans? Tu donnais des petits noms à tous les animaux. Bon, à l'époque, tu savais apprécier les surprises, hein? Bah oui, mais à l'époque, j'avais pas prévu un week-end à Londres avec mes copains. À Lourdes? Mais qu'est-ce que t'allais faire là-bas? Non, à Londres, pas à Lourdes. À Londres? Oui. Mais t'es fou! Tu sais que Londres, c'est 65... Ah non, mais arrête, arrête d'inventer des statistiques tout le temps, là. Tu sais, c'est pas gratuit, les places d'opéra, hein. Les restaurants que j'ai réservés, c'est pas gratuit non plus, hein. J'imagine que tu voudras pas aller dîner. Bah si, si, évidemment qu'on va aller dîner. C'est quoi ton resto? Mais il est à Champigny, là, ton restaurant, maman. Pff, on va pas se taper une heure de RER pour... Oh, mais de toute façon, tu veux jamais rien faire. Oh, mais t'as pas l'esprit d'aventure, hein? J'avais même préparé un petit fascicule sur l'opéra. Ça explique le contexte historique, l'histoire. J'ai même mis des photos. C'est mis dedans Wikipédia. Mais je vois que ça t'intéresse pas. Mais si, si, montre-moi. Ouais, c'est chouette. Non, c'est bien, t'as trouvé plein de trucs. Non, par contre, la fondue au poireau, je vois pas le rapport, là. Ah bah ça, alors. Ça fait 3 jours que je la cherche, cette recette. Oh. Mesdames et messieurs, bienvenue à l'Opéra National de Paris. Nous vous prions de bien vouloir éteindre votre téléphone portable et vous rappelons qu'il est strictement interdit de filmer et de prendre des photographies. Merci. Tu sais que dans 85% des cas, ils installent une petite disquette dans les téléphones pour que ça marche plus au bout de 2 ans. C'est comme une sorte de ménopause pour les robots. Mais tu m'écoutes? Mais je te parle là. Maria Callas a chanté. Quoi? Cet opéra. C'est un de ses grands rôles. Elle a eu une vie tragique, la pauvre. Tu sais comment elle est morte? D'une dermatomyosite. C'est une maladie dégénérative des cordes vocales. Tu te rends compte? Bah ouais, c'est con. Puis c'est gay, joyeux anniversaire. Quand est-ce que t'es devenu méchant comme ça? Maman, tu t'es pas dit 2 secondes que ça me ferait peut-être pas plaisir, ta surprise? C'est pas de ma faute, hein, si t'es toute seule. Ah non, attends, tu restes assise et tu regardes ton opéra, la merde. Ras le cul, maintenant.